bienvenue et bonjour à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 31e dimanche ordinaire et dans les lectures d'aujourd'hui, en première lecture, nous avons le prophète de Malachie qui donne vraiment des reproches sévères contre le comportement des prêtres de son temps, qui négligent leur ministère vraiment sacerdotal. Et ça rejoint l'évangile d'aujourd'hui de Saint Matthieu, où Jésus donne des conseils très pratiques à ses disciples qui ont des responsabilités pour qu'ils ne se comportent pas comme les scribes et les publicains du temps. Saint Paul, en deuxième lecture, lui, nous donne son exemple à suivre dans la proclamation de la parole en communauté. Alors, le thème de l'homélie d'aujourd'hui sera « Servir et non pas se servir ». Aujourd'hui, on commémore Saint Grégoire de Parumala, qui est le deuxième patron de notre église paroisse. Il est décédé le 2 novembre. Et Saint Grégoire, en quelques mots, est né en 1848, ordonné prêtre à 18 ans, consacré à 28 ans par le patriarche syrien en 1876, et il a pris le nom de Grégoire, métropolite de Niranam, église orthodoxe indienne. Fondateur d'un séminaire, et ensuite il meurt quand même assez jeune, à 54 ans, le 2 novembre, comme j'ai mentionné. On lui attribue beaucoup de miracles, plusieurs miracles. Et il était un co-consacrateur de Mgr René Villat, notre premier évêque, le premier évêque de l'Église catholique chrétienne d'Amérique, ou vieux catholique d'Amérique. Et il a continué de correspondre avec lui pendant quelques temps après la consécration. Si vous voulez aussi plus d'informations sur Saint Grégoire de Parumala, vous allez retrouver dans le site de l'Église, le site qu'on vous envoie pour l'écoute sur YouTube, en deux parties, l'adresse YouTube que notre évêque Serge Thériault a fait récemment concernant notre Église et les liens avec l'Église indienne orthodoxe et aussi Monseigneur de Saint-Grégoire de Parumala. On commémore aussi aujourd'hui le révérend Jean Ben, qui est décédé le 5 novembre, et je vais le mentionner au canon, et aussi Monique Saint-Jean, qui est décédée la semaine dernière. Alors, bonne célébration. Le premier chant ce matin, c'est le numéro 9, page 60, verset 1, 5, 6, 7 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre, car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre, nous avons vu les pas de Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'homme, et nos voix chantent l'Esprit qui nous donne. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante.
entre dans nos cœurs. Sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens le Seigneur les reins du cœur, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Créons-nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu, et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, relève-nous. Et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, que Dieu pardonne vos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Verset du livre de Malachie. Je suis le grand roi, dit le Seigneur Dieu de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtre, vous êtes à l'avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, déclare le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Et vous lirez les bénédictions que vous avez prononcées. Vous vous êtes écarté de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez perverti mon alliance avec vous, déclare le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai déconseillé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas suivi mes chemins, mais agi avec particularité en accommodant la loi. Et nous, le peuple de Dieu, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce que pas un seul Dieu qui vous a créé? Pourquoi vous trahissez les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Il répète après moi, garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Ensemble, garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Ensemble, garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère.
ensemble. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Ensemble, garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, avec vous nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissants. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous nous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous n'avez qu'un seul Père, votre Père du ciel. Vous n'avez qu'un seul Maître, c'est le Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus déclara à la foule et à ses disciples : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargeant les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Parole, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes que nous venons d'écouter sont éclairants. Les conseils que Jésus adresse à ses premiers disciples qui exercent leur pouvoir nous concernent encore aujourd'hui. Nous sommes toujours tentés de succomber à l'autoritarisme et à l'incohérence, comme certains pharisiens qui disent
et ne font pas. Comment exercer des tâches et des services à la suite de Jésus, celui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Jésus ne conteste pas l'autorité des scribes et des pharisiens qui ont reçu la mission d'enseigner la parole de Dieu au peuple. Ce que Jésus dénonce fortement, c'est le manque d'authenticité et de cohérence de certains d'entre eux, qui disent et ne font pas. Et ils ne se soucient pas des personnes, de leur situation concrète et personnelle. Ils les chargent de pesants fardeaux. Ils leur imposent des obligations trop exigeantes. Ils sont durs pour les autres, non pour eux-mêmes. Ils ne s'intéressent qu'à la façade. Comme chrétien, il est demandé de faire ce que nous disons, de mettre en pratique ce que nous enseignons aux autres. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Il y a souvent une différence entre nos intentions et nos manières de faire. Il est donc important que nous soyons lucides dans notre agir et cohérents avec le message chrétien que nous avons mission de proclamer. Les exemples ne manquent pas. Nous parlons de la nécessité de nous faire proches des pauvres, des gens humbles et marginalisés. Et nous continuons pourtant à accorder plus d'importance aux dignitaires et aux personnes importantes de notre société. Nous insistons sur la tolérance et il nous arrive de refuser de collaborer avec des gens qui ne partagent pas nos opinions et nos valeurs. Nous annonçons la bonne nouvelle d'un Dieu, notre Père, qui aime tous les humains et il nous arrive d'être indifférents et même de mépriser des personnes et des groupes religieux qui n'ont pas nos croyances et vivent autrement que nous. Jésus nous demande d'abord de mettre en pratique son message. Ce qui compte avant tout, c'est d'accorder le dire au faire, à ne pas en rajouter pour les autres. C'est ainsi que nous aurons de l'autorité et de l'influence, mais à la façon de Jésus. Jésus reproche à certains pharisiens d'agir pour être remarqués des autres, de porter des vêtements qui les distinguent et de tenir à se faire appeler maître ou docteur. Nous savons pourtant que la mission de Jésus consiste à faire de tous les humains une grande famille de Dieu, notre Père. C'est pourquoi il nous apprend que nous sommes tous frères et sœurs. Nous ne sommes pas que des collègues de travail, des amis, des membres d'une communauté chrétienne, mais des frères et des sœurs égaux. Nous partageons la même dignité et nous avons tous de l'importance aux yeux de Dieu, quels que soient nos pouvoirs et notre influence dans la société. Nous avons tous un seul Père, Dieu, un seul Maître, le Christ. L'autorité et le savoir n'ont pas conduit saint Paul à se distinguer des autres. Il s'est montré solidaire. Il est devenu l'un d'eux. Ainsi, saint Paul a permis à la parole de Dieu d'avoir une pleine efficacité. Il ne s'agit pas de tout confondre. Paul ne se confond pas avec ceux qui l'évangélisent. C'est lui qui annonce la parole. Il le fait comme il le dit.
comme une mère. Pour Jésus, il n'y a de grandeur authentique que dans le service désintéressé, et non pas dans le prestige de la fonction occupée. Nous ne pouvons pas nous passer d'organisation, structure organisationnelle, de tâches précises à remplir, de fonctions déterminées. Toutes les fonctions sont importantes, mais de façon différente. Ce qui est nouveau dans le message de Jésus, c'est qu'il demande que les responsabilités soient des services pour les autres. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, nous dit-il. Plus une personne a des responsabilités, plus elle doit être au service des autres. Le pouvoir n'est-il pas souvent menacé de perversion? Ou, comme on le dit souvent, le pouvoir corrompt. Il y a toujours la tentation de profiter de nos responsabilités pour nous faire valoir ou pour dominer les autres. La tentation est grande de dire que nous sommes au service des autres, mais de ne pas le faire de façon correcte. Le message que nous adresse Jésus aujourd'hui nous permet de prendre les bons chemins, le bon comportement dans nos responsabilités. Pour nous aider dans cette voie, n'oublions pas que le Seigneur est avec nous. Et il est avec nous d'une façon toute spéciale, dans ce repas eucharistique qu'il nous sert lui-même et auquel nous allons participer avec foi. Nous allons dire notre profession de foi au bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, et ainsi pour notre vie et pour le monde. Nous prenons malade de ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dion, Paulette Asselin, Jean-Robert Cognier, Gilda Dion, Brigitte Dion et famille, Aurélie Dion, Anne Gauthier, Ronan Larval, André Cartier, Maurice Chandra, Michel Lavirette, Hélène Jouvéville, Ellen Parangio, Natacha Drouin, Natacha Dion, Adèle Armstrong, Elias, Gertrude Grasser. Et que notre Église continue à grandir et servir les communautés. Et aussi que Dieu pense sa protection, les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous.
Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi, sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au milieu des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au milieu des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier aujourd'hui du révérend Jean-Vel, Monique Saint-Jean. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint-Joseph et tous les saints, particulièrement Saint-Bernard de Clairvaux, et aujourd'hui, Saint Grégoire de Palomar. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face de ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps, car nous avons tous formé le même pain.
Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres, un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Prions pour nous préparer la communion, Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang esprit-saint de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement pardon de ce que je l'ai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le chant numéro 22, la page 71. Nous t'adorons, ô Christ, ô Père et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant par ta divine.
instant. Seigneur, nos cœurs débordés de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton bras, ton sang ne meurt pas jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous et avec vous aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence dans la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Pour terminer, c'est le chant numéro 36 à page 83. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos soeurs, nos frères, vivent en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu, achevant nos pas sur terre. Nous verrons le roi des cieux, joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère au royaume glorieux. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, merci.